Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est où? À Phantom Manor. Pour changer d'habitude, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec Léa. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue. Ça fait une semaine. Et elle m'a dit, aujourd'hui, Maxime, j'ai envie de faire des trucs et des attractions. Eh ben, on va faire des trucs et des attractions. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Bonjour. Dis-moi, tu es plutôt dans un style Fantasyland aujourd'hui, non? Oui. Et puis tout à l'heure, elle me dit oui, je me suis mis dans un style Fantasyland. Juste parce qu'elle a des oreilles Small World, un pin Peter Pan, et je lui ai passé un masque princesse. Voilà. Du coup, il faut qu'on aille faire tout Fantasyland. Du coup, madame veut faire toutes les attractions de Fantasyland. Moi, Dumbo, ça me va, il y a pas de problème. Après, non, le reste, à discuter. Mon malade. Ah, juste l'attraction que tu veux pas faire, c'est Dumbo. Non, mais on va la faire, mais si je suis malade, ce sera ta faute. Ce sera ma faute alors. Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ça y est, elle se dévergonde, hein, ça y est, hein. La petite, elle prend la confiance. Hein. You may not believe it, but beauty once lived in this house. Phantom Manor a connu des jours heureux. Mais les temps changent. To find a way out. Veuillez rester bien assis. Quoi de mieux qu'un Phantom Manor? Maintenant on va aller faire un tour à Fantasyland, c'est ça? Fanta. Tu veux un Fanta? Bon allez, go Fantasyland, madame veut faire un tour à Fantasyland. Youpiyo, youpiyé. Mais oui, youpiyo, youpiyé. Mais je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est pour ça que je dis youpiyo, youpiyé. Bah t'as pas à avoir de vie sans moi et puis c'est tout. T'as pas à avoir de vie sans moi, elle m'a dit. Non mais vous l'écoutez celle-là un peu, Fanta? Fanta. Là on va essayer d'avoir des réponses à des questions parce que il y en a beaucoup qui ont remarqué qu'effectivement les réservations sur les calendriers sont jamais les mêmes dates pour tout le monde et tout, c'est un peu problématique. Donc je vais essayer d'aller demander pour me renseigner pour vous. Donc on sort du bureau des passeports annuels, on a fait quelques demandes avec Léa. Et moi j'ai demandé par rapport, vous savez, les calendriers par rapport aux réservations, on n'avait pas souvent les mêmes que les autres. Et ça posait des problèmes pour faire des réservations avec ses amis. Et bien en fait ils nous ont expliqué que si vous réservez par téléphone ou alors par Mac etc, vous allez devoir vider le cache de votre téléphone. Et du coup ça va bloquer vos réservations. Donc n'oubliez pas de vider le cache. Et en fait ça va vous afficher les vrais jours de réservation. Vous allez pouvoir réserver les mêmes jours que vos amis. Donc voilà, et n'hésitez pas à regarder très régulièrement, parce que chaque jour, chaque heure ça change. Il y a des gens qui annulent leur billet et ça fait un roulement assez rapidement. Première attraction à Fantasyland du coup. Ah c'est ton, oui c'est ton petit serre-tête. C'est ton serre-tête. Oui. Mais c'est pas celle d'ici hein. C'est Floride. On va voir qui comme princesse? Moi. Maintenant elle se prend pour une princesse. Bonjour. Alors du coup pour expliquer ce qu'on doit faire. Alors effectivement on est dans le pavillon des princesses mais il n'y a pas de princesse parce qu'évidemment, dit évidemment crise sanitaire. Donc aujourd'hui on va quand même, vous allez voir, ils ont mis en place. Oui, pas de souci, allez-y. Donc vous allez voir, ils ont mis en place un petit fauteuil rouge très sympathique avec un joli décor qui fait très princesse justement. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, pas spécialement en fait. Allez. Mais vous avez le droit. Hello everyone, and welcome to the Mad Hatter's Tea Cups. Est-ce que tu es heureuse de faire l'attraction Fantasyland? Moi j'aime trop Fantasyland, c'est mon land préféré les gars. Mais il est beau le Fantasyland. J'adore, je tournerai pas.
tourne pas. Nous on tourne pas. C'est un vrai bébé. C'est un vrai bébé elle. C'est vrai que ça tombe quand même beaucoup. Hein. On n'a pas touché au truc, mais j'ai la tête. On va faire le carrousel. J'ai même pas dit qu'on avait fini de faire Mandator Ticket là. Je le vois, on marche. Ouais, c'était trop bien en vrai. Mais ça tourne un peu la tête, du coup on s'est dit on va faire un truc qui tourne, mais pas trop vite. Et après on verra pour Dumbo. Parce après que on verra Dumbo, pour ça Dumbo. Me rend malade aussi. Mais Dumbo c'est trop bien. Ouais, mais ça me rend malade. Du coup on va faire le carrousel parce que faut pas oublier que ça reste une attraction mythique quand même des parcs J'adore, Disney. C'est trop bien. Et oui, donc du coup on va faire le carrousel de. Puis c'est vrai, hein, comme on dit avec Léa, hein, c'est quand même le plus beau Fantasyland qu'on ait. Hein. Enfin, c'est le plus beau Fantasyland de tous les parcs du monde, donc clairement. Ah, cette attraction mythique des parcs Disney. Tu veux faire quoi maintenant à Fantasyland? On n'a pas fait Blanche-Neige. Oui, c'est vrai que ce matin on a fait Pinocchio, je ne vous ai pas filmé Pinocchio. Et on va faire une photo devant la fontaine de Cendrillon. On va où maintenant? Peter Pan. Eh bien, direction Peter Pan alors, c'est parti. Attends, ou... là on va faire Pirates des Caraïbes là. Oui. Mais c'est pas du tout à Fantasyland. Oui, on fait une exception parce que Pirates c'est l'exception. On a fait Fantôme aussi. Oui, mais on a fait Fantôme parce que c'est mon attraction Fantôme. Bah Pirates c'est mon attraction. Oui, mais alors. Bah alors on va faire Pirates. Et où le problème? Bon, bah, le problème, on va faire Pirates alors. Pirates. Tout le monde connaît mon amour. Bon, on va faire Pirates alors, ok. 3 minutes. Il y a 5 minutes. 5 minutes. Allez, bah go alors. Bon, bah c'est cool, il y a 5 minutes, ça va, on va pas râler alors. Tant mieux. On jamais pour faire Léa, il y a personne. Personne. Du coup, les personnes qui me demandent souvent sur Insta, ouais, est-ce qu'il y a du monde en ce moment sur le parc? Non, c'est vide, il y a personne. Deux personnes. Trop bien, il y a le bateau pour nous. On est tout seul. Tout seul. Trop bien. Le bateau pour nous tout seul. Là, qu'est-ce que tu dirais d'un bon nonos bien juteux? Oh, il y a de la godelette. Nom d'un chien, il va parler. Sinon, il va danser au bout d'une corde. Si vous êtes là, gardez le droit, les gars. C'est de l'or, t'as une voix absolument divine. Prends une babiole pour la peine. Et une petite. Je regarde plus grand. Je râle. Veuillez attacher votre ceinture. Pour faire décoller Dumbo, tirez le levier de commande qui se trouve devant vous. Merci et nous vous souhaitons un agréable vol. Il reste Pays des Contes de Fées et Casey Junior. Mais on n'a pas fait de labyrinthe. Mais on a dit qu'on fera pas le labyrinthe parce que le labyrinthe, voilà quoi. Non, il est ouvert. Mais flemme, vas-y, on l'a fait l'autre. Je l'ai fait l'autre fois, c'est bon, flemme. Flemme. Veuillez rester assis pendant la durée du voyage, gardant vos pas et vos bras à l'intérieur des embarcations. Merci et bon voyage. Oh.
Un peu quand même là. Franchement, je sais pas si on va le faire, il y a beaucoup trop de monde. Bah du coup on voilà. On a fini le challenge Fantasyland. Ouais, on a fini tout ça. Donc du coup là maintenant ce qu'on va faire, c'est que comme on a rencontré plein de cast members gentils aujourd'hui, eh ben on va mettre des petits commentaires bien gentils aux cast members parce qu'ils sont adorables et faut les remercier. Alors pour tout ça, évidemment, vous le savez, c'est au City Hall qu'il faut aller. Vous demandez à mettre un gentil commentaire à un cast member et ça fait toujours plaisir à tous ceux qui font partager cette magie. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce Léa, bah on te dit à bientôt, tu reviens bientôt normalement à Disney toi. Lundi. Ouais, lundi. Donc bah écoute, on sera là lundi. Rendez-vous lundi. Il va y avoir, j'espère, plein de nouveautés. On se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver. Alors pourquoi pas vous? Ciao.